président Sénat, avec président Chambre des députés, hein, il y a peut-être 2 mois de cela, avec président de la République là, et président pour la cassation, hein, et de faire publication et amendement constitutionnel là. Donc, compte tenu que n'a fonctionné sous Constitution 87 amendée, et Constitution 87 amendée a clairement indiqué que son conseil électoral permanent pour là. Donc, au niveau de l'exécutif, nous allons faire ce que nous devons. Ça veut dire bon, ça veut dire que si CSPJ a choisi trois noms, et l'exécutif probablement va choisir ces trois noms. Et puis, Jean-Président a écrit et Parlement, pour Parlement diligenté pour le faire en sorte à ce qu'il a choisi trois noms. Bon, nous avons les 2/3 présents. Et c'est une volonté politique manifeste. Je pense que. Il a réuni et puis il a fait le choix. Dans le cas où. Je vais spéculer, seul je connais, c'est que mon CSPJ a choisi 3 personnes. Et l'exécutif a choisi 3 personnes. Je souhaite que dans un avenir pas trop lointain, il a fait le choix de 3 personnes. Et puis de là étant, on va regarder ça qu'on fait. Mais compte tenu que son pouvoir indépendant lié, tout même gens avec le Parlement, s'il choisit, il y a des parlementaires qui ne sont pas d'accord avec mon Dieu choisi. Parce que faut que nous quittions son nouvelle institution liée, parce que faut que nous permettions d'évoluer. Toute institution qui a ses nouvelles confrontée à pas mal de problèmes, l'inception liée. Donc nous ne pouvons pas immiscer nous dans l'affaire de pouvoir. Ces 3 pouvoirs, c'est à CSPJA de gérer les problèmes que nous avons. Et jusqu'à présent, d'après ça, je comprends, et d'après ça, le grand public a compris tout. Il y a 5 membres qui ont l'air abondé, 5 membres sur 9 qui ont abondé dans une position. Donc, je pense que d'après moi, le dossier est clos. 2 membres doivent choisir pour des raisons qui leur sont personnelles de démissionner. Et l'institution qui débat là, et je souhaite que vous remplacez dans le bref des délais. De toutes les façons, pour que CSPJ a fonctionné, je crois qu'il fonctionne à la majorité. Donc, dans la mesure que il y a 5 membres sur 9, c'est que la fonctionnalité n'est pas mise en question. Nous ne sommes pas capables de parler de rumeurs. Si nous voulons fonctionner dans l'état de droit, la Constitution, c'est loi mère. La Constitution nous a dit que, sans embâge avec amendement, que nous faisons pour nous un conseil électoral permanent. Point boule. Nous avons désigné non nous et puis les élections doivent avoir lieu sans délai. Et les fêtes pour payer à Vinsouraï. Du moment que nous avons 6 membres sur 9, il y a une majorité qui permet de fonctionner. Et si je peux permettre, moi, songer, c'est un sénateur Yuri Latour, tu t'es dit, qui sont anciens sénateurs, qui sont éminents juristes. Et d'après la loi même, le conseil électoral là, automatiquement, quand on gagne un quorum, il y a fonctionné.